est encore en train de jouer à Super Hockey Simulator. Yo, Vincent! Il y a un tournoi qui s'en vient. Vous pratiquez, hein? Merde, je me suis contre un but. Ouais, parce que pour l'instant, il est pas super bon, hein? Pas bon à défense. C'est un job à Samy d'habitude. Ah ouais, ça se joue à deux, cette affaire-là? Ça se joue tout le temps à deux, les tournois. Hé, hey, regarde mes statistiques. Avec Samy, là, on a vraiment des chances. Ouais. Hey, est-ce que je peux inviter Julien à manger ce midi? Ouais, ouais, pas trop. Pour venir jouer ce soir après l'école. S'il te plaît! Mais juste si vous vous tenez tranquille, parce que je vais avoir besoin de calme et de concentration pour mon entrée. Ah, c'est ce soir? Oui, monsieur. Ah, c'est vrai, c'est ce soir? Oui, Vincent, c'est ça que je vous dis. Non, pas ton entrevue, là, mon tournoi. Je viens de me rendre compte que c'est ce soir qu'on a jusqu'à midi pour s'inscrire. Mais il faut absolument que je rejoigne Samy pour qu'on fasse ça avant le premier cours. Bye! Alors, comme vous le savez, les grandes inventions sont souvent le fruit d'accidents. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Blambeau, mon démaquillant à tableau. Je cherchais un moyen de faire un produit pour la peau et quelle ne fut pas ma surprise. Ah! Continue! Fais ton exposé oral comme si j'étais pas là. C'est pas un exposé oral, c'est une entrevue pour un podcast scientifique. Un podcast? Ouais. Qu'est-ce que c'est ça? Ah non, pas une affaire de cascade dangereuse toujours. Non, pas un pas de casque. Un podcast, c'est comme une émission radio, mais que tu peux suivre sur Internet. Wow, qu'est-ce qui est en train de se passer là? Je viens de pogner le hockey. Mais c'est pas grave. Le hockey, c'est très grave. On niaise pas avec ça. Comment ça? Mais qu'est-ce qui peut arriver? J'ai une arrière-cousine qui l'a attrapé à 16 ans. Comme ça, là, pour rien, là. Une petite crise, elle est sortie de nulle part. Elle était comme toi. Pas grave. Elle s'en est jamais remis. Quoi? Hey, 60 ans avec le hockey. Hey, tu peux te dire que ça te change un rapport au monde, ça? Oui, mais là, je peux pas passer 60 ans avec le hockey. J'ai une entrevue sur Skype à 19h. Pas de panique, mon homme. On va te débarrasser de ça. Pourquoi vous êtes... Vous avez un truc? Non, je veux pas un truc. J'ai le truc. OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bon, pour l'instant, il faut que tu patientes le temps que je trouve ce qu'il nous faut. Reviens me voir à midi, là, je... On va te débarrasser de ça. J'en reviens pas. On avait dit qu'on se mettrait ensemble pour le prochain travail d'équipe. Mais non. Mais si je veux sauver le monde, préfère se mettre avec Sierra la weirdo. Réponds, comment, Samy, réponds. Avec moi, ça aurait été facile de poser une action engagée. J'aime tellement ça se prendre pour mère Pénézra, là. J'ai fait ça en 5 secondes! On aurait juste à parler de son projet au Guatemala. Salut, man. T'étais pas là dans le cours d'histoire, ça fait que je me demandais si t'étais malade ou quelque chose. En tout cas, appelle-moi quand t'as mon massage, OK? Ciao. Mais là, on est pognés ensemble. Ça fait qu'il va falloir qu'on trouve une idée, puis vite! Coudon, m'écoutes-tu? Hein? As-tu une idée d'action engagée? Non. Faut trouver quelque chose de hot. Plus hot que de sauver une école au Guatemala. Genre... Adopter des bébés chiens? Ou des bébés chats? Ou non, mieux que ça! Des bébés phoques! On adopte des bébés phoques, on fait des t-shirts avec leur face dessus, puis on les envoie à une école au Guatemala pour les sensibiliser au sort des bébés phoques du Canada. Qu'est-ce que t'en penses? J'en pense que c'est vraiment n'importe quoi. J'ai trouvé une meilleure idée d'abord. Ça va, vous deux? Oui! Super! Est-ce que vous savez pourquoi Samy est pas là aujourd'hui? Ah, non, désolé, Vincent. Mais c'est pas grave, hein? C'est vraiment pas grave, nous. On n'a pas besoin de Samy, là. D'ailleurs, on est super contents d'être en équipe ensemble, là. On a déjà eu une super méga bonne idée pour notre action engagée. Cette malade, vous en viendrez juste pas. Ah, bon, mais c'est super, ça. J'ai hâte de voir ça. OK, là, on trouve quelque chose de vraiment bon, puis vite! Bonjour, Madame Mazary. Samy était pas là à son cours aujourd'hui, donc je me demandais... Oh! La fièvre! OK, mais en revenant à la clinique, est-ce qu'il va pouvoir... Pas avant demain, mais... Mais oui, mais... OK, oui, c'est bon. Oui, bye. Coudon, qu'est-ce que tu lui veux tant que ça à Samy? On avait un tournoi de hockey ce soir. Il va falloir que je trouve quelqu'un d'autre. Ici, j'ai une liste de personnes engagées qui pourraient nous aider pour notre travail. Alors... Gandhi... Che Guevara, Jeanne d'Arc, Malala Yousafzai, Paul Marais. Ouais. Il y a aussi le Père Noël, Bob l'Éponge, puis l'équipe de nage synchronisée des babouins du Sogrande. Ah, OK, ouais. Hey, qu'est-ce que tu fais? Je m'arrange pour que tu m'écoutes. Je t'écoutais, là, les babouins de Grimbé. OK, non, je t'écoutais pas, là, je m'excuse.
Mais il faut absolument que je me qualifie pour le tournoi de Super Hockey Simulator. C'est ce soir. OK, mais c'est parce qu'on a un travail à remettre. Mais je gagne une partie, puis après, je te jure que je vais me concentrer juste sur notre projet, OK? Vincent, tu pars 3-0. C'est pas de ma faute si Samy a décidé de faire de la fièvre aujourd'hui. OK, tasse-toi. Oui, tasse-toi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, là? Tu vas tout... Bang! Dans sa face! Tu viens de compter un but! Ouais! Ça fait juste commencer. Go! J'ai les hockey! Vive le hockey! Traverse la rue! Trop en vue! Je n'ai plus! D'accord! J'ai les hockey! Vive le hockey! Traverse la rue! Non! On n'arrête pas! On se relève! On continue! Go! Il en reste neuf! J'ai les hockey! Vive le hockey! Traverse la rue! Je l'ai plus! Plus fort! J'ai le hockey! Vive le hockey! Oh, le but! Bam! OK, t'as mort. Pourquoi tu m'arrêtes? Je suis en train de te faire gagner! Comment tu fais? Pourquoi pas compter un but? Ben là, pas un, quatre. Comment tu fais pour compter quatre buts en 3 minutes à un jeu auquel t'as jamais joué? On dirait que tu fais de la magie. Ah, oh, mais c'est ça aussi. Comment ça? J'ai fait un pacte avec le diable. Je lui ai vendu mon âme, puis en échange... Je gagne tous les jeux vidéo du premier coup. Qu'est-ce que tu dis là? Mais non, voyons donc, là, franchement, ça n'a aucun rapport avec la magie, j'ai juste déjà joué. OK. T'as déjà joué à Super Hockey Simulator? Non. Mais j'avais un jeu de ringuette qui ressemblait à ça. Les commandes sont pareilles. Quel jeu de ringuette? Ça s'appelait Super Ringuette Simulator. Mais je jouais beaucoup au début, mais je me suis tannée assez vite parce que c'était trop facile, je gagnais tout le temps. Tu as déjà pensé à faire des tournois en ligne? Non, pas vraiment. Quoi? Mais non, décourage-toi pas, mon âme, il t'en reste un! Allez, go! J'ai le hockey! Vive le hockey! Traverse la rue! Go, barbu! Je l'ai vu! OK, super! On passe à l'étape suivante. OK. Ça, c'est du sucre puis du vinaigre. Tu m'avales ça d'une shot, puis après, tu cales le verre d'eau en 3 gorgées. Prêt? C'est parti! OK, c'est pas grave, autour du verre d'eau. Tu me bois ça en 3 belles gorgées. Allez! Et une! 2, 3! L'amour, mon nom! Hey, avec ça, au moins, t'es sûr de... C'était un rot ou un hockey que je viens d'entendre là? Oh, OK. C'est pas grave. On se décourage pas. Pour procéder à l'inscription au tournoi, créez votre équipe en identifiant chacun de vos joueurs. Bon. OK, puis on en a combien déjà? 6, puis là, il faut chacun un nom. Hey, pourquoi on les nommerait pas avec ma liste de tantôt? Quelle liste? Ben, ma liste de personnes engagées, là, Che Guevara puis les autres. OK, puis pourquoi on ferait ça? Ben, ça pourrait peut-être compter pour une action engagée. On crée un team full hot de super-héros de l'engagement. Puis pour notre présentation dans le cours d'histoire, on joue un match live. Imagine, là, un super beau jeu de passe entre malade de Victoire des Marais, là, tac, 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 et le but! Ça serait malade! Je suis certaine qu'on aurait une super bonne note. C'est pas vraiment une action engagée, il me semble. Ben oui. Mais non. Mais hein? Notre équipe de super-héros de l'engagement battrait plein d'autres équipes de joueurs de hockey ordinaires, là. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit rien. Non, ben ça dit que l'engagement triomphe du non-engagement. C'est super fort! Mais ça tient pas debout. En plus, y a plein de noms de filles dans ta liste. Pis ça? Ben, ça fait bizarre. À ce niveau-là, y a jamais d'équipe mixte. Et puis en plus, si on met des filles, ça aura l'air d'une équipe pré-novice. Mais on s'en fout! L'important, c'est qu'on gagne puis qu'on fasse notre projet en même temps. Comment? On leur met des vrais noms de joueurs. Non! Je viens d'avoir une super bonne idée. Le même monde aurait jamais pu trouver ça. Pourquoi tu veux pas? Mais peut-être parce que Victoire Desmarais a jamais joué au hockey, hein? Mais je m'en fous. Soit prends mon idée, soit je joue pas. Bon, OK, d'abord. Yes! On l'appelle notre quartier. Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc? Ben oui! Elle a déjà une armure! Ah oui, note-le! Vous avez faim? T'as l'air tellement content que c'est bizarre. Hein? Imaginez-vous donc que j'ai eu l'enquête toute la matinée. J'ai essayé un paquet d'affaires pour m'en débarrasser, puis finalement, j'ai juste marché d'un bon pas pour revenir à la maison et c'est complètement disparu. Oh non! Arrêtez de rire, c'est pas drôle! Ah, oh, mais là, faut absolument que je le perde avant mon... On peut l'aider, hein, Julie? Hey, mais hein, on peut l'aider. On est des spécialistes du hockey. Oh, ouais. De quoi il a peur, ton frère?
Attends, il y a pas... Des clowns. Des souris. Des coccinelles. Non, c'est inscription invalide. Allô, j'appelle parce que je me suis inscrit à votre tournoi, puis on dirait qu'il y a un problème avec les... Oui, oui, c'est ça. Ah, vous prenez pas les noms de filles. Oh, non, non, c'est parce que c'est ma partenaire qui... Sinon, ça fait pas assez sérieux. Oui, oh, oui, je comprends. Pas de problème, là. Je vais les changer. Oui, oui, OK. Merci, là. Bye. Giro, Piqué Souban, Max Pacioretty, Hunter. C'est quand notre premier match? Ah, je sais pas encore. Comment ça? Il faut que je refasse cette inscription. Ça a pas marché à cause de tes noms de filles. Quoi? SHS, c'est une simulation de hockey professionnelle. Je vais pas mettre des noms de filles pour respecter le réalisme. C'est dans mes caves. C'est pas si grave, là, hein? Tes bonhommes vont aussi bien jouer avec des noms de gars, tu sais. Puis le projet, qu'est-ce que t'en fais? Ah, ça va marcher pareil, là, hein? Hey, j'ai juste changé les noms de filles par des noms de gars. Ça veut dire qu'on a une équipe moitié roue de l'engagement, moitié vrai joueur de hockey. Validé. C'est fait. Ah, OK. OK, parce que t'as déjà changé les noms sans me le demander. Hey, il fallait que je fasse ça vite, là. J'avais juste 2 minutes pour confirmer l'inscription. Tu sais quoi? Tu trouveras quelqu'un d'autre pour le tournoi. Puis pour le travail d'équipe. Attends, Mélanie, là, wow! J'ai pas de pas. C'est juste des noms, hein. Bonne chance pour la game, Vincent Bocage. Je sens que tu vas vraiment en avoir besoin. Mélanie! Tu vas pencher la tête pour coincer la patate entre ton épaule puis ton oreille. Puis tu bouges plus. Là, ça sert à quoi, ça? J'ai trouvé ça sur Internet. Il paraît que si t'arrives à coincer une patate entre ton oreille puis ton épaule puis à la tenir pendant 5 minutes, ça soigne un hockey. À moins que... Oh mon Dieu, il est déjà parti? Non, il est encore là. C'est juste que maintenant, en me concentrant, je suis capable de les espacer. Il faudrait que je me pratique à répondre à mes questions d'entrevue, mais entre mes hockey. OK. Remets la patate. Je vais te minuter. OK. Pouvez-vous me poser ces questions-là? Ah! Mélanie, tu tombes à pic. Peux-tu lui poser des questions pendant que je nous chronomètre la patate? OK. Ça. OK! C'est parti, première question. Pouvez-vous nous parler de Blambeau? C'est quoi ce Blambeau? Blambeau, c'est le nom du démaquillant tableau que j'ai inventé. C'est un produit qui sert à nettoyer les tableaux blancs sur lesquels on écrit avec des marqueurs permanents. Vous savez, le genre de marqueur qui sent le... Non, Chris, parce que t'as un gros 15 secondes en chaque... OK, faut que tu fasses des réponses plus courtes. OK. Je prends la patate, mon homme. Oh, comment? Yeah. Question! Pouvez-vous nous parler de Blambeau? C'est un produit pour nettoyer les tableaux. Excellent! On est dans l'état. Deuxième question! Racontez-nous comment vous est venue l'idée de cette invention. Je voulais faire un produit pour la peau, mais je me suis trompé. C'est tout. Oh, ça va bien, on continue! Avez-vous approché des compagnies afin de commercialiser votre produit? Oh, mais regarde ça. Oui, Mélanie, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Mais à votre avis, là, aider quelqu'un à se débarrasser de son hockey, est-ce que ça compte pour une action engagée? D'après moi, c'est plus un service rendu qu'un acte engagé. Est-ce que je me disais aussi? Ben, attends, ce matin, quand on s'est parlé, tu m'as dit que Vincent et toi, vous avez une super bonne idée, ça fonctionne plus? Mais oui, j'avais une super bonne idée, mais il a pas voulu. Ben, oui, il a voulu, mais c'est un peu foiré, puis c'est compliqué. Bon, explique-moi ça. Oh! Qu'est-ce que vous faites? Hey, ça a marché! Yes, sir! Mais c'est pas toi qu'on voulait pogner. C'est Francis. Pour le guérir de son hockey. Sais-tu s'il s'en vient? Je sais pas, là, je suis parti vite. OK. Ben, on va l'entendre ici, d'abord. OK. Hey, mais tu dis pas qu'on est là, hein? OK. Hey, les gars, ça vous tente pas de jouer à autre chose en l'attendant? Comme quoi? Un jeu vidéo super le fun. Tu veux nous laisser jouer à SHS? C'est quoi SHS? C'est un jeu de hockey auquel il a jamais voulu me laisser jouer, hein? Ben là, j'ai changé d'idée puis ça me tente de te le montrer. Ah ouais? Wow!
Tu dois vraiment être désespéré, hein? J'ai vraiment besoin de votre aide. Oh, c'est cute. Ça fait que Vincent a téléphoné aux organisateurs, puis ils lui ont demandé de modifier les noms parce que c'était pas assez réaliste, puis c'est ça, là, ils les ont changés. Bon, premièrement, donner des noms de personnages historiques à des avatars de joueurs de hockey, c'est pas vraiment une action engagée. Ouais, mais on leur aurait fait gagner plein de matchs, là, ils seraient devenus comme des super-héros de l'engagement. Oui, je sais bien, Mélanie, là, mais tout ça, ça se passe dans un monde virtuel, hein? Les personnages historiques que tu mentionnes, ils sont engagés parce qu'ils ont posé des gestes concrets pour changer leur société. C'est ça le défi que je vous ai lancé dans le cours. Quels gestes concrets vous pourriez poser pour améliorer votre monde? Hmm. Ben là, je sais vraiment plus. Bon, OK. Dans l'histoire que tu viens de me raconter, là, est-ce qu'il y a quelque chose qui ben, que tu trouvais juste, qui... une situation qui mériterait d'être corrigée? Mais je trouve vraiment qu'on devrait avoir le droit de donner des noms de filles à des joueurs de hockey. Ben, c'est super! Super! Moi aussi, je trouve que ça n'a pas d'allure qu'ils interdisent ça. OK, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça? OK, on peut commencer par leur dire que leur attitude est sexiste. Genre, en leur envoyant un message sur leur page Facebook? Bonne idée. Oh, je vais leur dire ma façon de penser. Puis pour accélérer, je tiens le bouton enfoncé comme ça. Oui! Pour freiner, c'est rond. Je patine, je freine! Attention! Les gars! On va juste réviser les commandes que je vais montrer, OK? OK! Bon, pour faire une passe, c'est... X! Non, c'est B. X, c'est pour... plaquer! Non, c'est pour tirer au but. Puis on se dirige avec les flèches. Oui, ça, c'est bon. On se dirige avec les flèches, exactement. Oh, oui, ça, c'est beau, hein, vraiment. Bon, les gars. Bon, ce qu'on va faire, là, c'est que vous allez jouer une partie ensemble. Puis le meilleur de vous deux va gagner. Roulement de tambour! La chance de jouer en équipe avec moi pour le tournoi! Ah! C'est tout? Comment ça, c'est tout? C'est pas vraiment cool, ton affaire. Mais on va jouer pareil! OK! Yeah! Oh! Yeah! Ah! Bon, j'avais peur que tu sois déjà parti. Non, j'attends mon père. T'as oublié de me remettre ma feuille de questions. Au vrai? Ouais. Puis finalement? Tu réussis à te débarrasser de ton hockey? Ben non, pas encore. Merci. Je vais m'organiser pour que ça paraisse pas trop à l'entrevue. Connais-tu ça, toi, SHS? Ben oui, mon frère passe sa vie là-dessus. Puis tu sais qu'ils organisent un genre de gros tournoi en ligne? Oui. Bon, ben les organisateurs, c'est des gros machos sexisme. Sexiste, tu veux dire? Ben oui, c'est ça que j'ai dit. Madame Cardinal puis moi, on vient de les remettre à leur place. Oui. Comment vous avez fait? On leur a écrit un mot sur leur page Facebook. Tu vas voir. Ça va? C'est dommage méchant. Ça arrête pas, il y en a tellement. Voyons, montre. Hey. Voyons donc. OK, les gars, là. C'est 9 à 0 pour eux. C'est peut-être le moment de passer à compter les buts, hein? Hello! C'est mon frère. On se cache. Libéré! Libéré de quoi? J'ai eu le maudit hockey toute la journée et maintenant je suis libéré! T'as plus le hockey? Non, monsieur. C'est terminé, le hockey. C'est fini. Poche. T'es vraiment poche. Pourquoi ils sont costumés? Ils voulaient te faire peur. Ah, dommage. Ah, puis finalement, comment tu t'en es débarrassé de ton hockey? Ah, Mélanie, elle m'a juste montré les commentaires qu'elle a eus sur Facebook. C'est tellement trash que ça m'a coupé la voix. Puis le hockey. Ouais. Quel commentaire? Va voir sur la page de SHS, tu vas tout comprendre. Ouais. Il y en a combien? Elle a juste dit qu'elle trouvait ça poche que les joueurs puissent pas avoir des noms de filles. Ça mérite pas cette vague de boîte-là, il me semble. C'est à cause de ça? Oui. Elle doit être en train de capoter. Mais quand je suis parti, elle allait voir Madame Cardinal. Là. Elle doit être correcte, maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Hey, tout ça, c'est à cause de moi, là. Faut absolument que j'aille la voir. Ah!
Allô? Je te cherchais. Es-tu correct? Oui, oui, je suis correct. Mais parce que j'ai vu les commentaires dégueulasses sur Facebook, puis je voulais juste être sûr que ça allait. En tout cas, c'est des débiles, ces gars-là. Des gros morons à puissance 10. Oui, oui, oui. Il y en a plusieurs là-dedans qui gagneraient à avoir un petit cours de civisme. Mm. Puis d'orthographe aussi, mais ça, c'est une autre histoire. Ils sont bien mieux de pas se montrer la face devant moi. Ben, je vais t'avouer qu'au début, j'ai vraiment pas trouvé ça cool. Mais finalement, j'en sors avec Madame Cardinal, j'ai décidé de mettre mes énergies ailleurs. Ah oh ben, cool. Ben, je suis ici genre pour aussi... comme m'excuser, parce que... si j'avais tenu mon bout avec les organisateurs du tournoi pour garder les noms de filles, ça serait sûrement pas arrivé. Mais c'est pas de ta faute, Vincent, là. Tu pouvais pas savoir que ça ferait ça. Puis je veux dire aussi que... j'ai décidé de pas faire le tournoi, finalement. Quoi? Comment ça? Ben, premièrement, parce que ça me tentait pas de jouer contre les malades qui t'ont insulté sur Facebook. Puis deuxièmement, parce que sans toi, je vais perdre. C'est sûr. Wow! OK, ben, merci. j'avais dit à Mme Cardinal que je voulais plus toi comme partenaire pour le travail d'équipe, mais là, c'est certain que ça n'a plus rapport. De toute façon, pour moi, votre travail sur l'engagement, il est à deux doigts d'être fini. Hein? Quoi? Ah. Comment ça? Mélanie, tu as dénoncé une attitude sexiste. Puis toi, Vincent, là, tu te dissocies d'un événement discriminatoire en gage de solidarité. Hey, si c'est pas des actions engagées, ça, je sais pas ce que c'est. Ça veut-tu dire qu'on a fait notre travail sans s'en rendre compte? Bon, presque. Il vous reste à préparer une présentation pour la classe et à situer votre action dans un contexte historique. Et vous savez qu'au Québec, les femmes ont eu le droit de vote seulement en 1940. Ça serait une belle occasion pour en parler. Cool! Si ça pouvait être aussi simple que les maths. Oh, ça a fini de télécharger. Quoi, ça? C'est un jeu vidéo qu'on a trouvé sur un site indépendant. Il y a plein de jeux qui ont l'air vraiment cool, hein. Il y a même des personnages, tiens-toi bien, qui ont des noms de filles. Non, tu me gâches. Wow, je te dis! Et c'est comme ça que j'ai inventé Blambo, le fameux démaquillant tableau, avec l'aide de mon ami Bastien, que j'aimerais saluer. Allô, Bastien? Non, c'est correct, je me suis juste... Non, mais c'est pas parfait, hein? Non, tout est beau! C'est mon frère, il voulait juste me montrer sa patate. OK, c'est déjà terminé? Moi aussi, ça m'a fait très plaisir, puis je reparle avec vous quand j'invente autre chose. Bye! Excuse-moi, je pensais que c'était ton hockey. Non, mais c'est parfait, t'étais prêt à intervenir, c'était génial. Ouais, ça te dérangerait-tu si je reprenais le... Oui, c'est ton tournoi de SHS, vas-y. Ah non, j'ai lâché ça, là. C'est juste que Mélanie m'attend en ligne pour jouer à un autre jeu en réseau. Ah ouais, c'est quoi l'autre jeu? Ah, tu vas voir, là, c'est super hot. Yeah. On est un frère et une sœur zombie. Ouais. Puis il faut travailler en équipe pour contaminer le plus de monde possible. Ouais. Puis là, il faut piéger le plus de bonhommes roses, puis ensuite les mordre. Moi, j'ai failli mourir d'une crise de... Oh, non! Hey! Oh! Hey, salut! Viens créer ton propre univers de Subito Texto.